va gagner 3 battles pourra partir en immersion dans un club professionnel. C'est abordable. Je vais essayer peut-être d'en enchaîner 4 ou 5 si je me porte pas sur le premier essai. Ouais, j'espère qu'Yannis t'es prêt hein, parce que... magnifique. Oh. J'ai pas de chance aujourd'hui hein. Salut YouTubeurs, c'est Coach Yann, ça va ou quoi? Oui, vous le savez, tonton Yann est blessé, mais aujourd'hui on se retrouve pour un concept bien spécial. Aujourd'hui on va opposer deux gars en 1 contre 1 qui vont s'affronter pour devenir le All-Star. Le concept s'appelle le All-Star Foot Battle. Celui qui gagne reste pour la prochaine vidéo. À la fin de ça, un d'entre eux va partir peut-être visiter un club pro et vivre en immersion à l'intérieur d'un club professionnel. Je vous explique après à la fin de la vidéo. C'est parti! Ok les gars, à ma droite on a l'homme qu'on appelle Yannis, à ma gauche on a l'homme qu'on appelle Axel. Les gars, est-ce que vous êtes chauds? Vous allez vous affronter aujourd'hui. On est chaud, très chaud. Ok, j'espère que vous êtes mentalement prêts parce que, écoutez les gars, celui qui va gagner 3 battles d'affilée pourra partir en immersion dans un club professionnel. Et ça c'est grâce à All Star School. All Star School c'est un concept très simple où tu peux aller participer une expérience comme un pro dans un club professionnel entre l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Il faut juste aller sur le site internet et même si tu n'es pas avec nous aujourd'hui, tu peux participer à cette expérience en allant sur le site internet et tu as toutes les informations. Donc le lien est dans la description. Mais on va revenir au battle tout de suite. Le battle il est simple, il y a deux mecs ici super techniques, super chauds dans la tête. Ils vont avoir 3 épreuves. Première épreuve, le skills. Deuxième épreuve, la précision. Et la troisième épreuve, le 1 contre 1. Un seul gagnant à la fin, il reste l'autre. Rentre chez sa maman et c'est parti, let's go. Pour l'épreuve du skills, chaque player va devoir montrer son skills favori et l'autre player devra le reproduire. S'il le reproduit, il gagne le point. S'il ne le reproduit pas, il perd le point. Il n'a bien sûr qu'un essai. On va voir ce que ça donne. Yannis commence, c'est parti. Le skills, on va commencer simple, c'est un petit lever de balle. Voilà. Attends, Axel, est-ce que tu penses que tu peux le faire? Moi, je pense que c'est abordable, c'est abordable. Ok. Vas-y Axel. Axel. Regarde, c'est validé. C'est validé, c'est un point pour Axel, magnifique. Ok. Je pars sur ça moi. Il est chaud. Voilà, attends. Bon. Franchement, je pense que c'est dans mes cordes. Je vais essayer peut-être d'en enchaîner 4 ou 5 si je me porte pas sur le premier essai. Ouais, ouais. Le mec est chaud. C'est parti. T'as un essai, hein. T'en perds 2. Ok. C'est validé. C'est validé. Bon, les gars, un partout dans ce skill challenge. J'ai vu que vous étiez en mode sourire. Mais ici, c'est la guerre. Il y en a un de vous qui va partir en centre de formation. La deuxième épreuve, qui est le Precision Challenge. Et pour ce challenge, il nous faut un gardien de but. Let's go. Yo, la famille, ici j'aime quand le gardien de but technique. Bon, vous savez déjà, on est là, on est présent dans mon terrain foot à 11. Là, ça va être des 1v1. Ça va être compliqué, mais hein, vous connaissez hein, votre gardien. On va être incroyable. Petit moment dans ta Peter 7, je suis chaud là. Et YouTubeurs, dans cette vidéo, nous utilisons les ballons Urban Ball Revolution. Ce sont des ballons de football exactement les mêmes que les ballons de compétition utilisés dans les plus grandes ligues du monde. Avec ces ballons, vous pouvez jouer au foot, faire des frappes, faire des dribbles, les utiliser pour tout type de tricks. Ils sont vraiment agréables et beaux à voir. Pour vous les procurer, allez sur le site urbanball.com. Le lien est en description. C'est le challenge précision. 3 frappes, une frappe arrêtée, une frappe en mouvement, une frappe face au gardien. Les points sont bien sûr additionnés au point du skill challenge et aussi au 1 contre 1 qu'il aura à la fin. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Let's go. Ok, c'est parti. J'espère qu'Yannis t'es prêt hein, parce que là. Allez. Les gars, impérial les gars. Axel, 0 sur 3, qu'est-ce qui s'est passé? Non, bizarre, GMK il était pas mal, hein. Franchement il a fait de bons arrêts. Ok, qu'est-ce que t'as à répondre Yannis? Franchement merci GMK, merci Axel aussi, hein. Franchement il m'a servi la victoire sur un plateau d'argent et j'espère profiter de ça. Vas-y, assure bien. T'inquiète. Tu veux un grec à la fin? Qu'est-ce qu'il reste à faire mon gars? Non.
immense. On va se retrouver pour la dernière étape de ce battle. Mais avant ça, je tenais à vous préciser All Star School. Qu'est-ce que c'est? Concept en immersion. Tu peux aller dans un club professionnel en Espagne, en Italie ou au Portugal et vivre comme un joueur pro. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur le site internet de All Star School. Il y a toutes les infos, tout ce que tu veux. Il y a même une, tu peux y aller une semaine, deux semaines, un mois, six mois. Il y a vraiment plein d'options. Donc on va checker. Le lien est en description. Également, si tu as envie de te faire repérer et participer à une détection, j'ai un bon plan pour toi. Le 31 octobre, il y a une détection organisée avec All Star School. Toutes les informations sont ici. Il faut avoir plus de 16 ans, il faut avoir un certain niveau. Et franchement, il y aura du monde, il y aura du beau jeu. Vas-y et tu peux te faire détecter. Ok les gars, retour au game. Le All Star Foot Battle, c'est vraiment pour le 1 contre 1. Ce qu'on a fait avant, c'était juste pour l'échauffement. Maintenant, c'est vraiment que là, ça commence. Qui va l'emporter d'après vous? Dites-moi dans les commentaires. Entre Axel et Yanis, mettez un pouce bleu si vous kiffez ce nouveau concept sur la chaîne. Parti pour voir le gagnant. Là. Pas se mentir. Là, il commence à descendre. Réponse là, il m'a l'écho tout à l'heure. Oh, j'ai pas de chance. Enlève ton gris, s'il te plaît. Viens, c'est grave. Ok, les gars. Les gars. Il y a actuellement 2-2 au score. Qui veut l'emporter? Moi. Moi, je suis chaud. T'as ça qui veut l'emporter? Je vais l'emporter, sûr. Tu penses? Écoute, les gars, c'est simple. Inch'Allah, comme on dit. But vainqueur. But vainqueur. Celui qui marque ou qui met KO, c'est fini. Ça marche, c'est parti. On va jouer au but vainqueur, là. La tension. J'aime ça, j'aime quand c'est tendu, là. Même moi, je stresse, là. J'ai l'estomac qui est en train de se plier. Axel, quand il part à gauche, il est vraiment dangereux. Ah, j'ai pas de chance aujourd'hui. Hein. Et c'est un but, bien joué, il a fait la différence, on peut l'applaudir, on va tous aller voir les réactions. Ok la YouTubeuse, je vais remettre le maillot de All Star School à notre ami Axel qu'on peut applaudir, bravo. Voilà. Axel, c'est toi le All Star, c'est toi qui as gagné la chance de pouvoir faire le prochain battle au prochain épisode. Il va te falloir gagner 3 battles d'affilée pour partir dans un club pro, ok? Malheureusement c'était serré. T'es bien défendu, Mathieu. Oui, hein. Mathieu. Voilà, c'était un beau battle. 3-2 sur le score final. Bien sûr, on a eu un excellent GMK qui a arrêté. Bravo, GMK. Bonjour.
N'oubliez pas les gars, All-Star School, le concept, si vous aussi voulez aller dans une expérience, en immersion, dans un club professionnel, puisque vous avez la merde. C'est dans le lien, dans la description. Il y a toutes les infos sur le site internet et tu pourras peut-être devenir un joueur professionnel de cette façon. Et si tu veux te faire remarquer et faire des détections le 31 octobre, tout ce qu'il faut, je vous mets les infos juste là, tu les vois les infos. Voilà, il y a les infos, il faut avoir plus de 16 ans, il faut avoir un certain niveau, il y a la détection, il y aura du beau monde. Viens, on sera au rendez-vous. Si t'as kiffé le concept de vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, dis-moi dans les commentaires qui a mérité de gagner. Est-ce que Axel mérite son titre ou alors Yannis c'était meilleur? Bien sûr, le prochain épisode, on va avoir un adversaire que tu vas voir juste maintenant. Je laisse t'abonner à la chaîne Coach Yann en cliquant sur le Coach Yann qui apparaît sur la tête de Axel. Et on revient bien sûr à la prochaine séance. Bye.